Salut voyageurs dans la caravane de la gitane sans filtre pour un nouveau format de tirage, un tirage sentimental, intemporel pour les célibataires et uniquement pour vous. Donc si vous n'êtes engagé dans aucune relation, nous allons étudier un petit peu ensemble déjà comment vous vivez ce célibat, quel est votre partenaire idéal, quel est votre désir secret, peut-être avez-vous envie de rester dans le célibat, on va aller voir. Où trouver ce partenaire idéal? Quoi faire peut-être pour le trouver? Quel avenir hypothétique pourra avoir la prochaine relation? Donc exercez évidemment votre discernement, on part sur un tirage intemporel mais sur une temporalité d'environ 3 mois. N'hésitez pas à revenir à un autre moment, peut-être choisir une autre de ces fleurs puisque c'est un tirage à choix multiples. Donc 3 fleurs chargées d'histoire, chacune vibrant différemment. Prenez le temps de faire pause, d'aller vers celle qui vous attire le plus, et je vous retrouve tout de suite pour le message de ces énergies. Si vous avez choisi ce joli coquelicot des champs écolo et engagé, alors allons voir tout de suite comment vous vivez ce célibat. Allons voir comment vous le vivez, ce célibat? Puisque la solitude, des fois, est particulièrement racinérante. Ça dépend depuis quand il date, déjà, évidemment. Quel est votre désir secret par rapport à votre vie sentimentale, émotionnelle? Quel est votre désir secret qui peut être caché à votre conscient? Quel serait votre partenaire idéal dans l'absolu? La personne qui vous conviendrait le mieux pour votre prochaine étape de vie sentimentale. Où la trouver, cette personne? Dans quel contexte? Comment faire? Quelle attitude? Quel conseil peut-être? Hop. Voilà. J'espère que vous voyez bien tout ça. Ok. Et puis l'avenir hypothétique de cette prochaine relation, est-ce que ce sera une relation plus ou moins rapide, qui demandera plus ou moins d'engagement? On va voir. Hop. On va recouvrir par le Béline. Hop là. Je dis beaucoup hop. Je suis très enjouée. Je tourne cette vidéo autour du printemps, ça doit être pour ça. Alors, comment vous vivez ce célibat? Votre désir secret, celui qui peut être caché, donc, on peut se cacher les choses, on a une grande faculté à se cacher les choses. Votre partenaire idéal, il aurait quelle qualité? Il ressemblerait à quoi? Où est-ce que vous pourriez le trouver, ce partenaire idéal? Tant qu'à aller le débusquer. Quoi faire pour le trouver? Et quel potentiel? On va parler du potentiel hypothétique, puisque là, à partir du moment où vous regardez ça maintenant, on ouvre une ligne de temps. Donc il s'agit de ne pas focaliser dessus. Prenez-la si elle vous convient, investissez-la si elle vous convient, mais si elle ne vous convient pas, ne focalisez pas dessus et ouvrez-vous aux autres possibilités. Hop. On va regarder en termes de temporalité ce qui pourrait se passer. En termes de temporalité, là où cette guidance sera peut-être la plus parlante. Et puis on va aller chercher un message de votre esprit. Magnifique. Oracle, dis-moi que tu m'aimes. Des fois, c'est un message qu'on peut s'adresser à soi-même. C'est important de savoir s'aimer avant d'entrer en relation avec l'autre, puisque souvent on investit l'autre d'un besoin d'amour, mais peut-être qu'il s'agirait de comprendre souvent que cet amour doit être nourri d'abord de manière autonome, c'est-à-dire se reconnaître sa capacité à être aimé. Un message de votre âme. Ce que veut vous dire votre âme, votre part émotionnelle, mémorielle aussi. Alors, comment vous le vivez, ce célibat? Pas très bien, peut-être? On a une arcane majeure et c'est celle de la tour. Oui, d'accord, ça boue.
Vous la vivez en cocotte minute, visiblement, cette célibatude. J'ai fait un joli néologisme entre solitude, célibataire. C'était. Je crois que je réécouterai. Du coup, oui, non, il y a quelque chose de l'ordre de la cocotte minute. Peut-être vous en pouvez plus, juste, du célibat. Et que vous aimeriez bien, justement, vivre quelque chose, là, de plus passionnel. Peut-être vous sentez le feu intérieur, mais manque l'autre pour pouvoir le vivre. Peut-être êtes-vous en train d'attendre le coup de foudre, en train de l'espérer, de l'attirer, là, d'autant que vous pouvez. Bon. Votre désir secret, bon. Eh bien évidemment, votre désir secret, alors, avec vigilance, évidemment, hein, alors on ne prend pas ici, personne n'a comme désir secret la méchanceté, on ne prend jamais les choses au pied de la lettre, mais ce désir secret, donc, qui nous rappelle Mars, l'énergie du feu, là, et qui veut, eh bien juste, une pleine satisfaction, quoi, qui veut vraiment pouvoir vivre quelque chose d'épanouissant dans un fantasme de transmission d'énergie équilibrée, de pouvoir être nourri aussi, de recevoir, sachant qu'on a pu peut-être être un peu échaudé et qu'on peut être assez méfiant, mais en même temps, on est dans le discernement, hein. Ici, on maintient la lanterne quand même près du poignard, donc il y a une vraie vigilance. Donc, c'est pas. C'est une situation là qui fait que peut-être vous estimez c'est bon avoir fait le travail sur vous, avoir revu ce qu'il fallait, et là aujourd'hui, malgré ce qui a été vécu, à être prêt vraiment là à fonder quelque chose. Il y a, oui, il y a quelque chose d'extrêmement fécond. Hein. On est dans une pleine. On nous parle d'héritage aussi. Donc c'est vraiment avoir envie de peut-être de construire quelque chose, de transmettre tout cet amour, tout ce feu-là intérieur que vous avez, peut-être sans avec la frustration effectivement de n'avoir pour l'instant personne à qui le transmettre, avec qui le partager. Le partenaire idéal, il ressemble à quoi? Ben, il est idéal. Hein. On ne peut pas le dire mieux, le partenaire idéal est idéal. C'est-à-dire qu'il y a un vrai fantasme là de. En tout cas, vous n'êtes pas. Ce célibat, il part pas vers du n'importe quoi. Vous avez envie réellement là de vous installer dans une relation, dans un équilibre. Donc l'idée, c'est quand même de mettre un petit peu de réalisme dans tout ça. Donc c'est formidable d'avoir des idéaux romantiques et de s'y accrocher et de travailler son auto-estime pour aller à la rencontre de cette personne, pouvoir générer finalement cette oui, ce désir, hein, cette canalisation-là de ce feu, et pouvoir en fait l'émettre, hein, puisqu'à partir du moment où vous allez émaner cette vibration, vous avez quand même toutes les chances de la faire rentrer dans le champ, et effectivement avec oui, quelque chose de mature, quoi. Alors pas forcément sage, hein, puisqu'on n'est pas dans la sagesse, là. Il y a quand même quelque chose qui bouillonne, hein. Il y a un désir dont on ne fait rien, et je rappelle qu'il y a quand même cette notion de cocotte minute, un petit peu. Mais là. Oui, vous avez vraiment envie de vous poser. C'est joli, c'est très très joli. Mais voilà, on vous dit quand même, mettez de la maturité dans cette idée, dans ces idéaux romantiques, romanesques, comme vous voulez. D'accord? La personne parfaite n'existe pas. Alors parfaite pour vous, oui, pour vivre ce que vous avez à vivre, mais comprendre que la vocation de l'autre, c'est pas juste de se poser à côté de vous dans la vie, de vous faire des yeux en cœur et qu'on se regarde comme ça jusqu'à la fin de la nuit des temps. La relation est quelque chose qui nous permet d'évoluer, d'abord de travailler sur nous, et puis quand on a assez travaillé sur nous et qu'on se sent légitime à rencontrer quelqu'un qui a fait le même travail de son côté, qui ne va pas venir nous réclamer des choses qui ne sont pas justes, et l'inverse, à partir de là, on va pouvoir installer quelque chose d'équilibré, de nourrissant pour les deux personnes, et là, qui vont pouvoir évoluer ensemble et continuer de. Donc c'est évolutif de toute façon, la relation. Il n'y a pas d'échec en soi, il y a de l'expérience qui nous permet de projeter aussi. Des choses que l'on a du mal à voir en soi. La projection ici, la personne idéale, c'est celle qui incarne les qualités que l'on aimerait avoir. Donc formidable, mais de manière sage, réaliste. D'accord? Si c'est le prince charmant sur son blanc destrier, bon, ou alors rapprochez-vous d'un centre équestre. Mais voilà. On continue, du coup, hop, votre partie. Ouais, bah, où on va le trouver? Je vous parle de. On va voir, peut-être, ça m'est venu, peut-être faites-vous du cheval. Ok, et eh ben on va le trouver. Alors, soit on va le trouver dans des milieux créatifs,
On va le trouver dans des milieux créatifs, peut-être associatifs aussi, hein, avec ce 8 de coupe. On est dans une dimension intérieure très spirituelle. Donc quand je dis, je ne sais pas pourquoi ça me, enfin artistique m'est venu, si, parce que j'étais captée par la lune en fait. J'étais captée par la lune, donc il me parlait de quelque chose, c'est ça, d'intuitif. Le poisson qui nous parle quand même de dimension artistique. Alors si vous êtes peu ou prou autour de l'audiovisuel, de la photo, de tout ce qui va concerner le monde de l'image, hein, ici, mais ce sera pas, enfin ça sert à rien de courir en soirée. J'ai envie de dire, avec ça. Puisque ce 8 de coupe, il nous parle d'une mise en retrait, donc peut-être si vous êtes dans des démarches spirituelles ou autres, ou j'en sais rien, tout ce qui va vous ramener à une forme de spiritualité, d'intériorité, vous pourriez la rencontrer dans ces mondes-là. Et peut-être, oui, donc, peut-être c'est ça, voilà, le yoga m'est venu, mais yoga, cours de méditation. Je ne sais pas, tai chi, tout ce qui va impliquer de l'énergie, mais vers l'intérieur. D'accord? Donc, voyez, adaptez hein, en fonction de ce que vous vivez. Mais, et voyez, on pourrait voir la Kundalini aussi. Donc, j'y vois un truc assez spirituel, là, quand même. Donc, si vous n'êtes pas du tout dans ces milieux spirituels, ça peut concerner milieu professionnel, audiovisuel aussi. Hein. Mais ça peut être. Peut-être des cercles, ça peut être voilà, lors de rencontres de cercles de gens qui ont plus de maturité que vous. Donc ça peut être dans un contexte, mais ce ne sera pas mondain, quoi. Hein, c'est une énergie qui n'invite pas aux mondanités, au contraire. C'est plutôt méditatif. Ou alors, enfin oui, il y a quelque chose d'assez zen, puisqu'on est. C'est une vibration de voyage intérieur. Donc tout ce qui va vous amener vers le voyage intérieur, activité, si vous pensez à un endroit, tout ce qui va vous venir là en lien avec ça, voilà, c'est là où vous pourriez le trouver, en tout cas. Surtout si effectivement vous êtes dans des dimensions voilà, de prise de conscience, de sagesse, de maîtrise, d'engagement. Oui, pourquoi pas, vous pourriez très bien être dans un chemin et là bouillir un peu, c'est ça, vous dire, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Pourquoi ça n'arrive pas, quoi? Pourquoi ça n'arrive pas? En tout cas, quoi faire, en tout cas? Eh bien, faut porter la win. Yes. Faut l'expandre, cette passion. Faut la manifester et faut. En fait, on est dans une énergie de victoire. Donc, je parlais d'auto-estime, là, tout à l'heure. C'est-à-dire se sentir hein, vraiment mériter ça. C'est ça. Qu'il y a à faire juste. Ce qui fait que vous avez tout ce potentiel pour rencontrer là cette bonne personne, mais que vous ne la rencontrez pas et que vous avez toute cette énergie pour vous, c'est qu'il y a encore un petit boulot d'auto-estime à faire. Ok? Il y a un petit boulot d'auto-estime. Peut-être vous ne vous autorisez pas à vivre déjà la pleine passion, mais on parle quand même là d'endosser. Vous voyez, on a l'énergie du lion, du souverain, de rayonner, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre du feu à rayonner. Là. Voilà, il y a quelque chose où je ne sais pas quand on va lâcher les chevaux, mais à un moment on va les lâcher, là, cette tour elle va, et on va voir ce que ça va donner. Donc on parle, je le rappelle, d'un futur hypothétique, hein, totalement hypothétique, c'est une ligne de temps, vous la prenez si elle vous va, vous la prenez pas si elle ne vous va pas. Ok. Bah écoutez, ça nous parle de sagesse, en tout cas ça nous parle d'expansion. Donc c'est une relation, la prochaine, là, si vous, effectivement, vous rencontrez quelqu'un. Donc, qui va être en résonance avec ces énergies, qui effectivement va vous faire. Alors, travailler la maturité, on peut nous parler de quelqu'un qui va pas se poser tout de suite dans la relation. Hein, c'est une relation qui. Voilà, c'est peut-être là où, en fait, il faut mettre de la raison. Il faut mettre un petit peu de sagesse. D'ailleurs, voilà, ça va vous être demandé d'expandre votre sagesse là dans cette prochaine relation que vous pourriez déclencher. Mais voilà, c'est comprendre que non, vous n'allez peut-être pas passer la bague au doigt instantanément parce que, ah oui, quand même, vous pourriez être en train de vivre le coup de foudre, vous pourriez déjà être en train de penser à quelqu'un là qui est en train de beaucoup, beaucoup exciter vos désirs, votre mental, votre projection en tout cas d'un couple, d'un engagement. Là, c'est complètement possible hein, qu'effectivement cette relation arrive. Puisque vous nourrissez de toute façon ce désir, mais ça ne va pas s'ancrer tout de suite, ça ne va pas se graver tout de suite dans le marbre.
Et ça va sans doute vous permettre d'expandre justement votre sagesse. Quel est le message de votre esprit, donc votre part intelligente? Alors je mets ça non pas en opposition, mais justement en complément des émotions du monde de l'âme. C'est la part consciente, celle qui voit au-delà des apparences, au-delà du flou que peuvent apporter le monde de l'âme qui vient à travers toutes ces énergies justement lunaires et permet de digérer une réalité à travers un voile qui la rend digeste. Donc cet esprit, c'est pas ça. L'esprit nous parle de trahison, secret et déception. Donc quand même, ici, vous avez récupéré, hein, puisqu'on parlait de transmission, vous avez récupéré une méfiance, quelque chose, alors peut-être de la dernière relation qui vous a fait tomber de votre chaise, peut-être, qui fait que peut-être vous êtes complètement justement aujourd'hui dans cette posture en retrait, peut-être un petit peu hors monde, peut-être dans une énergie très intérieure, parce que la dernière relation vous a abîmé, que ce célibat, il est encore peut-être souffrant, enfin vous êtes peut-être encore dans la souffrance de la précédente relation qui a pu amener quelques blessures, qui a pu vous transmettre des blessures. Donc là, on vous dit, cet esprit vous dit, ok, il y a un travail à faire sur vos énergies là, sur vos énergies intérieures pour retrouver la confiance en vous et vous autoriser à vivre la passion, à l'attracter, et j'ai envie de dire, advienne que pourra derrière. Mais plus vous porterez cette vibration de victoire, vous, et c'est ça qu'il faut déployer, en fait, à partir de maintenant. Être vigilant donc à ce que vous faites de l'expérience, de ce qui a été vécu. Hein, s'il y a encore, là, si vous êtes encore dans une discorde, si, être vigilant à cette énergie-là qui peut bouillir, qui peut être complexe, mais savoir l'orienter dans le bon sens, hein, qu'elle nourrisse quelque chose de plus profond en vous, qui vous permette donc de gagner en auto-estime et de vous réouvrir, de pouvoir vivre ces passions, peut-être donc raccord à ces idéaux romantiques, mais qui vont quand même demander de la maturité, d'accroître en sagesse. Allons voir tout de suite donc le message de votre âme. Je sais où je vais, donc qui nous parle bien, hein, de canalisation de ces énergies-là flamboyantes, de ces passions, d'utiliser cette puissance-là, cette peut-être rancœur, cette colère, la métaboliser, qu'elle soit, qu'elle vous nourrisse vous et qu'elle nourrisse vos idéaux, à condition donc d'y mettre quand même de la maturité. Mais voilà, vous pourrez vraiment vous relever là en prenant de la substance par rapport à ce qui a été vécu, puisque finalement, ça n'est là que peut-être pour vous renvoyer à votre travail sur l'auto-estime, au déploiement de qui vous êtes, au fait de pouvoir rejoindre donc ces idéaux, hein, mais à condition quand même de croître entre-temps pour offrir une meilleure version de soi-même aussi, hein, donc purifier, effectivement travailler ses énergies, sa contenance et la direction que l'on veut donner à sa vie amoureuse, hein, je sais où je vais. C'est donc fondamental là de parfaire, de retravailler cette vision idéale, de réactualiser quelque part tout ça pour vous offrir le meilleur, là, le plus grand épanouissement qui pourrait très bien venir survenir là dans les 3 mois qui arrivent. Tout est possible. Voyons voir donc à quelle période de la lunaison, hein, sera la plus propice, ou peut-être cette guidance donc sera la plus parlante. Il s'agit du premier quartier, donc on est dans cette période des jours qui suivent la nouvelle lune, qui vont vers cette pleine lune. Donc il pourrait là y avoir des événements, hein, effectivement, qui viennent un petit peu secouer. Notez, c'est toujours intéressant d'utiliser donc peut-être le calendrier de la lune, vous le trouverez partout en ligne, mais peut-être surveiller davantage ces périodes. Voilà, j'espère avoir un petit peu éclairé votre chemin. N'hésitez pas à revenir, hein, vous pourrez peut-être choisir une autre fleur un peu plus tard. J'espère que vous avez trouvé un petit peu d'éclairage. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la gitane sans filtre. Salut. Alors, si vous avez choisi cette deuxième fleur, qui maintenant que vous êtes là, je peux vous le dire, a une valeur toute particulière à mes yeux, ce sera ma favorite. Voilà, puisque je l'avais dans les cheveux le jour de mon mariage. Alors, c'est parti. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous êtes célibataire. Alors, comment vivez-vous ce célibat? Hein? Est-ce que vous en profitez? Est-ce que vous le mettez à profit? Est-ce que cette période vous est utile? Est-ce qu'elle est plutôt souffrante? Quel est votre désir secret? Si on allait un petit peu en dessous des apparences, du conscient, de ce que l'on cherche à montrer parfois, qui peut être en décalage. Hop.
Quel serait votre partenaire idéal si toutefois vous aviez envie de vous projeter à nouveau dans un couple, ce qui n'est pas une fatalité. On va voir ça. Hop. Où le trouver, ce partenaire idéal? Et quoi faire? Quelle attitude avoir? Hop. Pour le trouver. Et l'avenir hypothétique. Alors, le prédictif, hein, savoir que là, on ouvre une ligne de temps. Donc, si ça vous convient, vous prenez. Si ça ne vous convient pas, vous ne focalisez surtout pas dessus. L'idée ici n'est pas de croire. Mais on, voilà, il y a plusieurs, il y a un champ des possibles qui s'ouvre à vous. Ici, c'est une version. Donc, prenez vraiment ce qui vous convient. On va recouvrir tout ça par le Keeper Mystique. Alors, ce célibat, qu'est-ce qu'il nous raconte? Votre désir secret. Hop. Le partenaire idéal, quelle qualité il pourrait avoir, où le trouver, les qualités du lieu ou des indications. L'attitude à avoir de votre côté et donc cet avenir toujours hypothétique, hein, mais qui finalement, voilà, ce que pourrait être la relation. On va voir dans le temps quelles seront les périodes lunaires où cette interprétation-là sera peut-être la plus prégnante. On va aller voir ça. Sachant donc qu'on déroule sur environ 3 mois et qu'à partir de là, donc, en fonction de quand vous regardez cette vidéo, vous prenez donc la lune, sa phase et on va regarder laquelle sera donc la plus importante. Ça, c'est un message. On va voir, on n'en veut qu'un. Ce sont des messages denses, ce sont des messages de votre esprit. Ce qui va vous dire votre esprit, votre part, j'ai envie de dire, intelligente, plus froide, plus consciente, moins tachée, moins colorée par les émotions. Mais c'est des émotions qu'on ne rejette pas du tout. Hein. On va justement voir quel est le message de votre âme, de cette part sensible, mémorielle. Hein, voir si hop, elle a des messages pour vous. Et elle en a forcément un. Alors, voyons voir ce célibat. Comment vous le vivez? Bon, vous le vivez comme peut-être quelque chose là qui commence à vous peser. Ça peut être un célibat qui commence à durer dans le temps. Bon, on est sur un vide de bâton. Donc là, on peut commencer à partir de ce qu'on a vécu, à nouveau à métaboliser la chose pour pouvoir peut-être se projeter. Ouais, on peut avoir envie de nouveauté en fait. De se servir de son expérience pour ne pas vivre les mêmes choses qui n'ont pas là forcément été... Alors, si, elles ont peut-être été souffrantes, mais en tout cas, il y a une cicatrisation qui s'opère avec ce 8 de bâton. Quel est votre désir secret? Vous ne savez pas trop. Vous ne savez peut-être pas trop. Vous pourriez être dans une contradiction là, intérieure, à ne pas trop savoir. Alors peut-être si des envies de foyer, quand même, peut-être des envies de créer quelque chose de solide, de stable, émotionnellement, dans lequel se projeter, ou pas. Hein, ça peut osciller. Vous pourriez peut-être aussi être finalement en contradiction avec des valeurs reçues. Hein, il pourrait y avoir des choses comme ça qui s'opposent et que vous pourriez être en train là de comprendre et de métaboliser pour vous ouvrir peut-être à quelque chose de nouveau. Alors, quelque chose qui ressemblerait à quoi? Ou quelqu'un qui aurait plutôt le profil d'un 4 de coupe, quelqu'un de stable émotionnellement. Hein, justement, quelqu'un avec qui peut-être, oui, pouvoir poser des fondations, pouvoir créer quelque chose de ressourçant, où il y a quelque chose de cosy. Hein, on a beaucoup d'énergie du cancer. Et qui soit capable de se donner pour vous, de s'investir. Hein, qui soit vraiment dans la générosité, dans la préoccupation de vous, de votre bien-être, qui soit en harmonie, peut-être quelqu'un de sain aussi, quelqu'un qui fait attention à sa santé physique, mais en tout cas quelqu'un d'assez équilibré émotionnellement, évidemment je vous le souhaite. Dans quel endroit vous pourriez le trouver? Alors, on a une arcane majeure ici, ok. Alors, on a le pape qui nous parle alors peut-être d'une église, hein, si vous êtes pratiquant de quelque religion que ce soit, peut-être un lieu de regroupement, hein, puisque la lune peut
symboliser la foule, donc un lieu de regroupement autour peut-être de la foi, peut-être de la religion, peut-être de la philosophie. En tout cas, avec ce hiérophante, il y a quelque chose de visionnaire également, de pleinement conscient. Donc, ça peut être tout ce qui va vous rapprocher, donc par quelque activité que ce soit, hein, peut-être, mais pour une expansion de conscience, pour plus de sagesse, des endroits où vous pouvez pratiquer, voilà, que ce soit des discussions philosophiques à des pratiques peut-être corporelles, hein, peut-être, puisqu'avec la... Avec la lune, on nous parle de nourriture aussi. Donc, il y a quelque chose qui est cohérent dans l'idée de rassemblement autour d'un éveil de conscience. Donc, vous adapterez évidemment si ça vous parle. Quoi faire? Quelle serait... Hop. Alors, elle est quand même sortie à l'envers. Les conditions, les qualités à revêtir avec le 10 d'épée, il y aurait peut-être un petit peu d'ego à raboter dans l'histoire, pour pouvoir s'ouvrir pleinement à une nouvelle relation, là, avec quelqu'un donc de particulièrement généreux. Est-ce que vous êtes à même de vous apporter déjà de la générosité, hein, puisque là, on arrive au bout de congestion cérébrale, de prise de tête, de vraiment tout un cycle, un système de pensée duquel on ne peut sortir finalement qu'en renonçant à une partie de nous-mêmes, à un masque, à une attitude, à quelque chose avec laquelle on s'identifiait jusque-là. Et ça nous parle de notre histoire. Donc oui, il y a des choses à laisser derrière soi quand même. Hein, avec le 8, ici, on n'est pas non plus arrivé à déposer son fardeau. Donc le passé, même si il est en train d'être métabolisé, il peut être encore présent et on peut encore avoir... Voilà, des pensées, des choses qui nous ramènent à des vibrations assez basses en lien avec lui. Quel est le futur hypothétique de cette relation avec cette personne? Est-ce qu'il pourrait y avoir une rencontre dans ces 3 mois? Eh bien, écoutez, avec ce 8 de denier, il s'agit d'y travailler. Mais c'est comme si la vie était en train d'y travailler pour vous, quelque part. Et vous pourriez, là, dans les 3 mois... effectivement, faire des rencontres, avoir le choix. Avoir le choix, et ça va vous confronter à vos contradictions, évidemment, intérieures. Savoir ce que vous voulez. Savoir si vous êtes prêt à y retourner ou non. À quelle période de la lunaison? On sera en dernier quartier. Donc, ce seront les jours qui arriveront juste après une pleine lune. Donc, en fonction de quand vous regardez. Donc, il pourrait y en avoir 2 ou 3, là, puisqu'on est sur une période de 3 mois. Donc, ce seront des périodes intéressantes à noter, peut-être, où vous pourrez davantage ressentir ces énergies. Donc, vous pourriez être confronté à ces contradictions. Donc, concrètement, il pourrait y avoir une rencontre. Vous pourriez être vraiment... Voilà, on retrouve cette opposition ici. On va aller voir ce que vous dit votre esprit. Pardon, libération, réconciliation. On a quand même bien ici quelque chose à lâcher derrière soi, hein, en lien avec le passé, peut-être en lien avec des valeurs, voilà, qui nous ont été inculquées et qui nous vont forcément, enfin pas forcément, j'allais dire forcément pas, mais qui nous vont pas forcément. Vous pourriez être dans un conflit là intérieur entre ces valeurs familiales, ces schémas dont vous avez hérité, ce que vous avez vécu à travers les différents couples de tout un transgénérationnel. Ce à quoi vous avez pu vous identifier, ce qu'on a projeté sur vous aussi. Et finalement, être là dans un entre-deux, tout en étant quand même ouvert à la nouveauté. Hein. Et c'est peut-être cette ouverture-là. Donc n'hésitez pas, avec la lune, à vous ouvrir, hein, à aller vous nourrir d'échanges, de tout ce qui pourra vous nourrir à tous les niveaux. J'ai envie de dire. Donc, ça peut être... on peut nous parler aussi, vu qu'avec le hiérophante, on peut parler de sommité. De sommité, ça peut être, je ne sais pas, lors d'un dîner, dans un beau restaurant, où on se retrouve avec plusieurs amis, avec des gens assez proches, ou peut-être... Enfin, voilà, c'est un regroupement chaleureux avec un partage de valeurs. Mais ça demande quand même, hein, vraiment là... Vous devez libérer. On va regarder quel est le message de ce merveilleux oracle qui s'appelle « Dis-moi que tu m'aimes ». Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé.
Rien de mieux non plus que les sourires retrouvés. Le conseil ici est de vous montrer la voie du pardon, la grandeur de la force et la lumière qui s'en dégage. Ne perdez plus de temps à attendre de l'autre son pardon. Hein, il peut y avoir hein, ici. Vous pourriez peut-être avoir envie de revenir vers une certaine sécurité, mais effectivement, attendre un pardon qui ne viendra pas. C'est là où il y a une ouverture vers autre chose, puisque ce passé la demande à être relayé au passé. Donc ne perdez plus votre temps, pardonnez avant même que l'autre ne le fasse en fait. Votre sagesse se libérera instantanément de toutes les froissures. Aime avec ton cœur avant de punir, meurtrir ou venger avec ton orgueil. Bon, ça nous parle quand même d'un réalignement peut-être assez catégorique si vous avez envie de vivre quelque chose d'autre. Quel est votre mantra, le message de votre âme pour ces 3 prochains mois? Voyez de la force. Je peux le faire, je suis capable. Il y a donc bien quelque chose quand même à laisser derrière vous, là, qui sera la condition, même si vous attendez encore un retour peut-être à la sécurité. Alors, était-elle réelle? Était-elle illusoire? Puisque vous êtes célibataire et que cette histoire peut déjà dater de quelque temps. Mais si vous êtes encore en attente, on vous dit stop. Ce pardon, il vous revient de vous l'offrir à vous-même d'abord, de ne pas l'attendre de l'autre et de peut-être juste tirer de l'expérience de l'histoire, laisser la souffrance derrière vous, qu'elle n'impacte pas la suite. Mais si vous êtes encore en attente, on vous dit là, stop, réémergez de cette phase-là qui vous retient quelque part vers le passé. Hein, puisqu'avec cette histoire, ce livre, on a vraiment ces énergies du passé. Donc vous allez pouvoir là être confronté à des choix. Et voilà, vous avez le mantra qui va vous accompagner pendant ces 3 prochains mois, qui vous dit courage, force et courage. Là, tournez-vous vers demain. Offrez-vous le pardon, il est ici hein, également, ce pardon. Donc offrez-vous ce pardon généreusement et passez à autre chose, vraiment. Et puis voilà, cette sécurité émotionnelle, peut-être aurez-vous appris à la nourrir d'abord intérieurement, peut-être par la philosophie, peut-être par l'apprentissage, juste par des échanges avec des personnes qui pourront aussi vous éveiller à quitter cette contradiction intérieure et libérer à nouveau la circulation hein, et l'opportunité des rencontres. De pouvoir vivre à nouveau le couple si c'est votre désir, si vous tranchez en tout cas là-dessus par rapport donc au chemin intérieur que vous aurez pu faire. Je vous embrasse, n'hésitez pas à revenir plus tard, ce sont des tirages intemporels, donc à revenir peut-être choisir une autre fleur un autre jour. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la gitane sans filtre. Salut! Et enfin, si vous avez choisi cette jolie fleur de lotus qui symbolise très bien l'épanouissement amoureux. Alors, allons voir déjà comment vous vivez ce célibat. Comment le vivez-vous? Est-ce que vous le mettez à profit? Est-ce que vous optimisez ce temps qui peut vous permettre de vous centrer sur vous? Est-ce que vous le vivez plutôt difficilement? Quel est votre désir secret? Allons voir sous la barre du conscient ce qui se passe. Quel serait votre partenaire idéal? Voilà. Où le trouver, ce partenaire idéal? Pour vous, hein, évidemment, c'est idéal pour vous. Hop. Quoi faire? Quelle attitude? Hop. Voilà. On va recouvrir avec le Keeper Mystique. Je vous mettrai hein, dans la barre d'infos les oracles et tarots utilisés, donc comment vous vivez ce célibat. Ça peut vraiment être des bonnes périodes aussi, le célibat, pour se recentrer et justement peut-être accéder à ce désir secret. Quel est-il? Votre partenaire idéal, quelle qualité aurait-il? Où le trouver? Quoi faire pour le trouver? Ok. On va aller voir un petit peu dans le temps, à quel moment ce sera le plus actif pour vous. Quelle lunaison? Vous pouvez trouver en ligne hein, les calendriers lunaires pour vous indiquer et ça vous permet de noter hein, sur des moments clés des fois. On va regarder un message de votre esprit, cette part de vous consciente, plus froide, un petit peu détachée des émotions, mais qui du coup est plus objective.
sans négliger pour autant justement ses émotions. On va aller voir quel est le mantra, ce que veut vous dire votre âme, votre part émotionnelle, qui a très envie de vous parler visiblement. Alors, ce célibat, comment est-il vécu? Bon, il est vécu, ça va, effectivement, vous êtes plutôt, bah vous le vivez plutôt bien, a priori. Alors, on nous parle quand même de sacrifice. Qu'est-ce que vous sacrifiez? Parce qu'avec ce 10 de coupe, on arrive quand même à la fin d'un cycle. Est-ce que, très bien, ça va, en fait, en apparence, ça va. Mais il y a une part de vous quand même qui se flagelle un peu. On va voir tout de suite, justement, ce qu'il y a sous les mains du conscient. Oui, non, c'est ça. Vous le vivez bien, je pense, extérieurement. Vous n'êtes pas en train de pleurer sur vous toute la journée. Mais peut-être qu'intérieurement, justement, c'est quelque chose de plus douloureux à vivre où il pourrait y avoir un certain ras-le-bol, peut-être. Puisque dans vos désirs secrets, on a tout de suite une figure avec ce roi de bâton qui nous parle là d'aller de l'avant, concrètement, d'entreprendre, d'oser. Et en plus, on a la cigogne qui est là. Donc le désir secret, c'est quand même bien là d'aller vers une nouvelle relation. Donc très bien, on va voir comment ça s'intègre dans la suite de ce tirage, donc qui, je le rappelle, hein, évolue sur une temporalité de 3 mois, on va dire. C'est pour ça qu'on ira voir au niveau des lunaisons à quel moment donc ces mots pourraient résonner le plus, sachant que vous, bien sûr, vous exercez votre discernement, je ne le répéterai jamais assez. Donc ce roi-là de bâton, il a une certaine sagesse par rapport à son désir, il a su tirer de son expérience, mais là, il a envie d'aller de l'avant, d'entreprendre. Donc, pourquoi pas sortir, pourquoi pas aller justement au-devant de cette nouvelle aventure que vous pourriez là, voilà, avoir envie de vivre à nouveau comme si vous aviez envie de cesser de vous, comme si vous vous sentiez sacrifié, mis de côté un petit peu par ces histoires d'amour. Peut-être vous voyez autour de vous du bonheur, ça, c'est pas, mais comme si vous n'y aviez pas droit, vous. Et ça, c'est absolument hors de question. Voyons voir votre partenaire idéal. Votre partenaire idéal, ça peut être alors soit quelqu'un qui sera à même de prendre en charge des choses avec vous, qui saura faire des choix. Vous avez besoin sans doute de quelqu'un, alors soit qui vous aide à porter le poids de la vie, concrètement, soit qui a dépassé ça, qui a accédé à une certaine légèreté, à une certaine souplesse, finalement, à s'ouvrir un champ des possibles et à apporter un petit peu pour vous l'espoir dont vous pourriez un petit peu manquer si vous vous êtes senti mis de côté par ces histoires sentimentales, amoureuses, que peuvent vivre peut-être d'autres personnes autour de vous. On va aller voir où trouver cette personne idéale. Donc, on a un 5 de bâton. On nous parle d'amitié, de réseaux amicaux, peut-être d'endroits où on peut avoir des débats d'idées. Donc, voilà, en fonction de vos habitudes, de là où vous socialisez d'habitude, c'est finalement dans des terrains... Alors, on nous parle de conflits. Ça pourrait être aussi... Alors, ça peut nous parler d'un ami hein, aussi, d'une histoire d'amitié qui pourrait se transformer finalement en tension sexuelle, subitement, ça peut arriver parfois. Un ami qu'on a dans sa vie depuis des années peut nous apparaître subitement, dégager d'un coup un magnétisme. Tout ça est toujours très fluctuant hein, et notre énergie, elle se modifie et on peut être capté par quelque chose ou sentir une énergie qui n'a pas été ressentie jusque-là, où on voyait vraiment l'autre, voilà, en friend zone, comme on dit. Donc, on nous parle quand même ici voilà, des réseaux amicaux, potentiellement, où on nous parle d'échanges d'idées, peut-être de... Parce qu'on nous parle à la fois d'amitié, de loyauté et de rivalité en même temps. Donc, en fonction de ce que ça vous dira, mais... Voilà, des cercles où il y a des échanges peut-être un peu, un peu tendus, un peu électriques. Et en même temps, dans des sphères dont on est très proche, de qui on partage des valeurs. Donc, à vous d'adapter un petit peu comment vous le sentirez. Quoi faire pour qu'adopter? D'accord.
Ah bah c'est très beau parce que là vous avez une arcane majeure avec ce mât. D'accord, c'est drôle, il y a des contradictions quand même dans les énergies. L'attitude à adopter, c'est pouvoir s'ouvrir, alors peut-être sortir de ses zones de confort hein, avec le fou. C'est bien pour ça qu'on l'appelle le fou, tout le monde le regarde en se demandant bien ce qu'il peut faire, ce qui peut bien lui prendre de faire ça. Mais tant pis, il y va et tout un nouveau dessin s'ouvre à lui en fait. C'est à la mesure de l'audace qu'on a, que l'on va attracter dans sa vie des événements qui viendront répondre finalement à ce courage qu'on a eu là de s'offrir, s'ouvrir à l'inconnu ou au non connu. Hein, donc c'est vraiment l'idée. Et finalement, ça n'empêche pas un certain ancrage. Et plus vous serez sans doute ancré en vous, c'est-à-dire ici développer une sécurité intérieure, peut-être de par votre expérience, en tout cas. Plus vous serez intérieurement, enfin, émotionnellement autonome, de manière à pouvoir justement mettre à profit cette période de solitude, ce qu'elle a généré en vous, ce qu'elle a instauré comme nouvelle force en vous, souvent en vivant seul, en fonction de notre rapport à la solitude, enfin au célibat en tout cas, on va pouvoir quand même se découvrir, finalement découvrir des choses qui nous apparaissaient difficiles à vivre, finalement, se vivent pas si difficilement et trouver de la nouvelle ressource. Donc c'est de cet ancrage-là dont on va parler et qui va vous permettre finalement de vous ouvrir, de vous offrir à un grand renouveau, hein, puisque vous aspirez à ça intérieurement. Donc vous avez ce désir intérieur d'y aller. Et voilà, ça peut se passer. On va voir, là on est dans les 3 mois. On nous parle quand même d'un possible renouvellement qui sera à étudier plus spécifiquement pendant les premiers croissants. Donc là, si on est sur 3 mois, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, qui est donc intemporelle, c'est le début d'une série, il y en aura d'autres, vous pourrez revenir piocher peut-être d'autres fleurs, il s'agit juste de prendre ce qu'il y a à prendre sur le moment et bien entendu de laisser le reste. Mais on nous parle donc des premiers croissants, c'est-à-dire à partir de la nouvelle lune, donc les jours qui suivent la nouvelle lune, vous aurez 2-3 périodes là à partir de maintenant où vous pourrez peut-être davantage palper des occasions, donc où vous pourrez avoir à déployer un certain courage, une certaine audace pour aller à la rencontre de vos désirs secrets qui sont quand même de remettre de la nouveauté, d'oser rencontrer des gens, de remettre finalement, oui, de rejoindre ce grand groupe de gens qui sont en couple ou en tout cas qui vivent des échanges sentimentaux. Que vous dit votre esprit? Générosité, compassion, bonté. Alors ici, ça peut faire écho tout de suite. Pardon pour le bruit. Ça peut faire écho tout de suite à cette carte du sacrifice. Hein, peut-être, voilà, vous avez assez sacrifié votre vie sentimentale. Il s'agit de commencer à être généreux avec vous. On parle de fécondité ici avec la cigogne. Donc de vous offrir la possibilité de vivre cet espace sentimental, émotionnel dans votre vie. Ok? Donc voilà, généreux d'abord avec vous-même pour pouvoir ben, vivre finalement cet échange, cette harmonie émotionnelle que peut-être vous avez envie là de redécouvrir. Votre âme, qu'est-ce qu'elle vous le dit? Je m'entoure de personnes saines, bonnes et positives pour moi. Intéressant, puisqu'ici on avait quand même une carte de conflit dans le secteur où vous pourriez rencontrer donc cette nouvelle personne avec qui vous pourriez former un duo. On nous parle quand même peut-être d'une vigilance. Donc c'est ça, on peut nous parler d'un tri quand même. D'une vigilance dans vos cercles amicaux, de gens plus ou moins donc sains ou toxiques, nuisibles, vampires, mettez ce que vous voulez, ce qui vous viendra, hein, si certaines relations là vous apparaissent. Peut-être, voilà, s'éloigner de certaines énergies où vous sacrifiez finalement cette part émotionnelle dans une écoute, dans des échanges qui vous détournent de votre voie du cœur, j'ai envie de dire, qu'on retrouve ici. Hein, c'est très très beau. Vous pouvez partir avec ce mantra là pour les 3 mois qui viennent, je m'entoure de personnes saines, bonnes et positives pour moi. Et plus vous ferez ça, plus vous intégrerez des gens qui partageront vos valeurs, vos systèmes, avec qui vous serez en harmonie. Et peut-être que ça pourra déclencher des choses surprenantes auxquelles vous ne pouvez pas vous attendre, hein, puisque cette carte du fou, là, nous parle bien, le mât d'un inconnu total. C'est parce qu'on avance un pas que le sol se dessine sous nos pieds. Donc écoutez, plein d'espoir,
Veillez hein, à ça, à votre environnement, à la qualité énergétique de votre environnement. Cessez de vous sacrifier peut-être pour des relations qui vous prennent plus qu'elles vous donnent. On en a terminé avec le sacrifice, là. Essayez d'entrer dans une vraie générosité, dans une vraie bonté vis-à-vis de vous et réouvrez-vous donc à cette part émotionnelle, sentimentale de votre vie et en étudiant surtout les premiers croissants de lune. Je vous embrasse très fort, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. N'hésitez pas à me laisser des messages. Qu'est-ce que quoi? Attendez, stop, on arrête tout. On va quand même prendre une carte. Autant pour moi, je me disais quand même, l'avenir hypothétique, puisque c'est quand même ce qu'on vient un petit peu chercher, hein, même si je ne suis pas vraiment pour le divinatoire, je m'explique, l'idée ici, c'est d'ouvrir une ligne de temps. Il y a une ligne de temps qui va se poser impossible, hein, si vous adoptez surtout cette attitude, cette recommandation-là du mât et cet ancrage. Voilà, c'est un avenir hypothétique. Prenez-le s'il vous convient, s'il ne vous convient pas, Ne vous fermez pas sur lui et ouvrez-vous au restant, au champ des possibles, pour aller chercher finalement, activer une autre ligne de temps, un autre possible. Voilà, comme ça c'est dit. Mais on va quand même regarder, hein, puisqu'on veut quand même un petit peu savoir quel est le potentiel derrière la prochaine rencontre. Quand même. Je suis un petit peu fatiguée. Je viens de faire quelques tirages. Hop. Si. Donc. Ah oui, quand même, oui, ça valait le coup. C'est pour ça qu'on est venu me tirer un petit peu sur l'épaule en me disant, ça n'est pas fini. Oui, derrière, il y a un vrai potentiel de relation. Là, vous pouvez vraiment passer un cap, hein, puisqu'on a une arcane majeure, c'est celle du soleil, qui nous parle vraiment de cet équilibre relationnel, de savoir faire rayonner son propre ego de manière équilibrée, juste face à l'ego que l'on peut avoir en face de nous dans la relation pour un partage particulièrement harmonieux où l'on peut rayonner tout en étant ensemble et où oh là là, c'est magnifique, et où ça peut se déployer. Et en plus, on a l'étoile qui vient en rajouter une couche, qui vient vraiment illuminer là le parcours. Donc, le message est d'autant plus important, d'accord? C'est oui, le partenaire idéal, il vous aidera sans doute à lâcher un fardeau. Il aura une capacité d'accueil, peut-être d'accompagnement dans des choix de quoi, de trancher peut-être, avec certaines personnes qui ne vous conviennent pas, qui vous prennent plus qu'elles vous donnent, je le rappelle. Mais en tout cas, vous avez là la possibilité dans les 3 mois de métaboliser des choses, des prises de conscience, de faire le tri, et en fonction des belles vibrations que vous aurez autour de vous, vous pouvez rencontrer l'inconnu absolu et vivre quelque chose de très très joli. Voilà, c'est dit. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut.